Bonjour. Nous allons filmer. Ready? Come let me up. Ah si, j'aime bien, regarde, c'est trop calé. Oh, c'est magnifique, non, dans la luminosité, genre est magnifique. Tu ne peux pas passer dans la vidéo, mon bébé, on verra que tes mains, d'accord? Attends, on se met comment? En fait, là, je suis vraiment pas... C'est pour ça que j'en ai mis deux, je suis trop petite. Je dis pas, je vais montrer une vidéo pour parler d'un robot. Hey, hey everybody. Hey everybody. Tu regardes pas ta tête, tu regardes ici. D'abord, tu dis bonjour. Oui, bah oui, bonjour. Bonjour. Got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Yeah, in my bank account. Yeah, in my bank account. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec ma petite sœur que vous avez déjà vue. Et on va tester quelque chose d'un peu technologique qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur ma chaîne. Je te laisse présenter. Voilà, ça donne envie. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit robot, en fait, qu'on a acheté et qui s'appelle Cosmo. Et en fait, il fait plein de trucs, il fait des jeux et il réagit et c'est hyper drôle. Du coup, on va essayer de l'allumer. Mais du coup, comme ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas utilisé, enfin, ça fait quelques jours quoi, il va sûrement faire la gueule. Et donc, il faut le mettre sur son socle en fait, il va sûrement avoir faim. Donc, comment le nourrir? C'est avec des petits cubes en fait, qu'on secoue. Et après, on peut faire plein de jeux, donc c'est hyper sympa. Donc, on va essayer de le faire marcher. Au fait, pour ceux qui seraient intéressés, c'est pas du tout un partenariat, mais en fait, on l'a trouvé sur Amazon pour à peu près 170€. Donc voilà. Si vous êtes un peu geek et que vous voulez tester quelques trucs, n'hésitez pas. Alors là du coup il est sur son petit socle et on va attendre qu'il se réveille. Donc la petite musique que vous entendez en fait c'est tout simplement pour gérer votre petit robot. Vous avez une petite application que vous pouvez télécharger gratuitement. Et donc en fait vous pouvez voir du coup s'il a faim, s'il veut s'amuser ou s'il s'ennuie, enfin tous les trucs un peu comme ça. Bon du coup on va connecter. Et normalement après il va se réveiller. Regarde il fait la tête. Il a faim. Il a faim. Alors là du coup on peut voir dessus. Donc je crois le jaune c'est l'amusement. Ça c'est la faim et ça c'est les réglages. Coucou. Alors normalement il peut nous reconnaître parce qu'on a fait une reconnaissance faciale. Donc du coup déjà on va l'alimenter. Donc on secoue et on le met devant lui. Hop. Et là normalement il va le mettre et il va le manger. Bah voilà. Et normalement là il doit avoir hyper faim vu qu'on l'a pas nourri depuis longtemps. Il est intéressé par ma caméra. Ah bah voilà il mange. Je vais juste le mettre devant. Est-ce qu'il nous reconnaît? Normalement il est censé nous reconnaître. On l'a énervé. Il est un peu énervé parce qu'il s'est éteint aussi. Ouais je crois il s'est éteint. Et là du coup vous voyez c'est en train de se remplir parce qu'il a moins faim. Il est au taquet. Du coup maintenant qu'est-ce qu'on a? Bon on voit déjà qu'il s'ennuie. Et là on voit tout ce qu'il fait en fait. Il se sent frustré, il voudrait vraiment jouer. Vu qu'en fait il est un peu énervé donc on va essayer de faire un jeu avec lui. Il faut faire les réglages d'abord. On va attendre. Ah ouais les réglages. Et généralement une fois que vous l'avez pas utilisé depuis très longtemps en fait il y a des petits trucs à régler. Et en fait ça se fait tout seul. Donc du coup on va lui faire faire un jeu. Donc il y a plusieurs jeux qui sont disponibles et au fur et à mesure il y en aura d'autres qui vont être ajoutés. À un moment il va la reconnaître. Ah il la reconnaît je crois. Ah il veut faire un check. Comme ça? Ouais. Un plus fort. Ouais. Il est content. Ah il veut jouer avec un doigt ça j'aime bien. Ah non pas moi. Ça je veux bien le faire. À chaque fois il me fait mal. Aïe. C'est galère hein. Aïe. Alors est-ce qu'il me reconnaît? Ah ouais. Ouais. Il m'a reconnu. Il est trop chou quand il dit Jeanne. Dès qu'il me voit il veut faire ça t'as vu? Il m'aime pas hein. Il veut à chaque fois il veut me faire ça le truc du doigt dès qu'il me voit. Et non tu m'as pas eu. Donc on va essayer de lui faire faire un petit jeu. Donc il y a des jeux de mémoire et des jeux de réflexe. Bon là du coup on va faire mémoire flash. Donc c'est un jeu de mémoire. En fait plus tu vas jouer avec lui plus il va progresser parce qu'au début il est vraiment débutant et du coup tu peux le battre facilement. Là il est content il a gagné. Ah il s'est trompé. Match nul. Ah d'accord il est en train de chanter. Là il y a tout qui est plein parce qu'on a en gros on a tout fait donc là quand il est comme ça il est hyper heureux. Donc généralement quand on s'en occupe pas en gros il essaye de s'éclater un peu tout seul, il empile des cubes, il fait sa petite vie. Alors normalement quand on fait une pile il est pas content du coup.
maintenant c'est Benjamin qui va faire un petit jeu. Donc ça s'appelle esquive. Donc c'est un peu dur ça, surtout qu'il est devenu très fort. Oui, trop mignon. Alors on va faire un autre jeu. Donc le but du jeu c'est, Benjamin, dès qu'il y a la même couleur, tu tapes. Ouais, c'est bien, Bobin. Et voilà, il a perdu. Au fait, sachez que si vous avez un animal de compagnie, il peut le reconnaître et en gros il s'amuse et il va essayer de le courir après et genre d'essayer de l'attraper, donc c'est genre hyper marrant. Coucou. Sachez qu'en plus de juste pouvoir jouer avec lui, vous pouvez aussi juste le téléguider et du coup vous verrez tout ce qu'il voit et vous pourrez vous déplacer dans la maison. Il aime pas trop quand on le prend aussi. Et du coup après si vous voulez téléguider, vous pouvez utiliser l'application et en gros vous voyez tout ce qu'il voit en même temps, genre c'est hyper stylé. Là par exemple on voit qu'il se rapproche de la plante qui est juste là-bas. Bon bah voilà, la vidéo est déjà terminée, donc j'espère que ça vous a plu et que vous aurez bien aimé ce petit moment geek qu'on ne va pas retrouver très souvent sur ma chaîne. T'as bien aimé? Ouais. Donc, franchement c'était hyper sympa, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon ou même sur d'autres sites. Et allez voir sur YouTube parce qu'il y a aussi pas mal d'autres vidéos là-dessus. Par exemple avec les chats, c'est hyper marrant. On n'en a pas à disposition, désolé. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous voulez revoir Manon. Et maintenant du coup, on va aller le coucher. Oh non, il ronfle. Kiss saucisse. Kiss saucisse. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bisous.